Le 25 mai 2007, dans la région lilloise, le corps d'une jeune femme est découvert dans son lit. On est sûr et certain qu'on est en présence d'une affaire d'homicide. Donc en clair, ça veut dire qu'il faut enquêter. La victime s'appelle Odile Touche. Elle a 34 ans et elle a été battue et violée avant d'être étranglée. Je me suis dit, mais je suis dans un cauchemar, je vais me réveiller, demain c'est bon, ça sera un mauvais rêve. Elle ne méritait pas de vivre une chose horrible comme ça. Au fil des heures, les policiers comprennent qu'ils sont sur la piste d'un véritable prédateur. Nuit et jour, les policiers vont travailler sans relâche en multipliant les investigations. Ça nous arrive non seulement de travailler souvent jusqu'à 2h du matin, mais des fois de ne pas aller au lit du tout. Et on va le voir, le temps va les aider. Pour résoudre le meurtre d'Odile Touche, les enquêteurs vont ainsi se lancer dans une véritable course contre la montre. Elle va durer 12 jours et 3 heures.